Donc voilà, hier soir, après avoir quitté Abdou et Omar, on est venu se garer là où on avait dormi il y a 3-4 jours. On est tranquille à l'abri des arbres là. Bon, c'est vrai qu'on va pas rester parce que le solaire, sinon ce serait pas ça. Là on est bien, un petit déjeuner tranquillement, et puis vous allez voir, on va nous accompagner au souk du dimanche, là, à Ouarzazate. On va faire deux petites courses, et puis après on va continuer notre route, en direction de Merzouga. Voilà. Là, c'est un petit terrain de sport qui est là, il y a les enfants qui sont déjà là, c'est les vacances, en plus on est dimanche. Là, il y a un petit terrain de foot, un cadre sympa, tranquille, la route est pas trop loin, on l'entend pas trop. Et je vais vous montrer, on a un petit canal d'eau là pour les irrigations des champs. C'est vrai qu'on est bercé au son de l'eau. Et ça, c'est assez sympathique. Allez. C'est pas sympa ça. Voilà. Et là, on voit pas trop d'ici. Le classement des photos la dernière fois, il a envoyé des montagnes enneigées. C'est sympa le calme. Allez. Un petit déjeuner, rendez-vous aussi. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, ce matin, c'est souk du dimanche à Ouarzazate. C'est le dawa. Il y en a partout. Faire gaffe où on met les pieds parce qu'on va se faire rouler dessus. Allez, pas le temps, viens le temps. Allez. T'as vu ? Ouais. Tu mets pas le temps, non ? Ouais, c'est en train. C'est en train, d'accord. Ah, des petits piou-piou. Regardez les filles, les poussins. Bon, on sort du souk. Et c'était vraiment le souk. C'était vraiment le souk, c'était pas une mince affaire. Hein. On était. Bah, c'est chouette, on trouve tout. Hein. Ouais, ouais, on a tout trouvé évidemment, mais aujourd'hui, il y avait du monde. On sent que c'est le souk du dimanche. Parce que c'était vraiment au coude à coude. On aurait dû mettre les chaussures. Les chaussures de sécurité. Bon, ça va, on s'est pas fait marcher sur les pieds, mais non, c'est pas passé loin. Ouais. Ça, franchement, ça gère. Mais du coup, ouais, on a pris. On a fait le plein de fruits et légumes. Tomates, concombres, courgettes. Bon, là, on est un peu dans le désertique, donc. Ouais, quand on va s'enfoncer, ce serait un petit peu. Il y a des commerces, mais on sait pas tout. Peut-être un petit peu moins. Donc là, on a fait un bon plein. Maintenant, on va aller se faire un petit plaisir à Carrefour. On va aller acheter de la glace. Voilà. S'il est ouvert. Bah si, il est ouvert, on a dit qu'il était ouvert. Jusqu'à 23h. Ouais, 9h-23h tous les jours, du lundi au dimanche, non-stop. Céleste ?
voilà, voilà. Les lunettes au mieux. Elles vont tomber. Hop. Au mieux. Pousse-les, pousse-les. Pousse. Merci. Voilà. C'est pas facile des fois. Ah là là. Donc voilà. Et puis bah, quand on aura fini nos petites courses à Ouarzazate, on va prendre la route là. Cette fois-ci, direction Merzouga. Hier, on a difficilement quitté cette Omar et Abdou, ouais. Cette très 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 belle rencontre. Franchement, on ne regrette pas du tout. Pourquoi tu regrettais, toi ? Comme à la maison. En mieux, mieux qu'à la maison. Il n'y a jamais personne qui m'a reçu comme ça. Excusez-moi. Non, pour ouais. On n'a jamais reçu, nulle part été reçu comme ça, ça c'est vrai. Et on est même reparti avec des cadeaux. Bon, on ne sait pas trop où on va le mettre, mais. Regarde, on est passé dans la boutique de son père. Ah, j'ai dit, c'est joli ce fossile. Mais c'est lequel tu préfères ? J'ai dit, non, c'est gentil, on n'a pas de place. Mais si, tu m'as aidé ce matin avec les portes. Voilà. Mais non, mais toi, tu nous as bien. On préfère échanger les moments conviviaux que le matériel. Quoi. Donc, on est reparti avec une sculpture. On n'est pas reparti avec le fossile, mais on est reparti avec une sculpture de Casbah que Omar avait faite. Donc on ne sait pas trop où on va la faire trôner fièrement, mais voilà. Donc, comme disait Alice ce matin, c'est la première fois qu'on vient au Maroc, on ne sait pas quoi amener. Ce qui est sûr, c'est que si on revient avec toutes les belles rencontres qu'on a faites, on sait qu'est-ce qu'il faudra ramener à qui. Quoi. Voilà, c'est ça. Les outils pour le bois, bah, pour Omar. Des vrais outils de sculpture, hein, parce que vous avez vu un petit peu quand Rose l'a fait, avec quoi elle bricolait. Les outils, c'était très bien aussi. Hein, ouais, mais les petits tournevis là qui servaient de ciseaux à bois. Oui, c'est sûr. Bon, ça peut peut-être l'aider pour le détail, mais si on peut lui dégoter des trucs peu mieux, on verra ça. On n'est pas prêt de revenir pour l'instant. Non, c'est pas prévu tout de suite. Mais voilà, on va bien échanger nos numéros, on se donnera des nouvelles. Et bon, on va continuer nos petites aventures. Hein. Voilà, on va reprendre la route. On peut plus. Hein. Ouais, on y est presque. On est presque au parking. Les bras qui traînent par terre. Bon, je vais essayer de le soulager un petit peu avec ses bras. Je vais reprendre un sac s'il faut. Et on vous dit à plus tard. Images de la montagne avec de la neige. On quitte Ouarzazate et on n'est pas prêt de revoir la neige, je crois. Ça a bien commencé à fondre. C'est moins blanc que quand on est arrivé l'autre jour. Bon, comme d'hab, hein, GPS nous fait passer, on sait pas trop où, ce qui paraît pas logique, mais c'est super chouette là dans la petite oasis. C'est bien vert, c'est. Ouais, regardez, je vous montre de mon côté. Voilà. Wow.
Bon, ce soir, on est arrêté au milieu de nulle part. Ouais, la pompe. En fait, on a mangé, on va réexpliquer, on a mangé à Agde, voilà. Agdiz, je ne sais pas comment on dit, ouais. Et on est reparti après une petite sieste, je suis tout ébouriffé. Après une petite sieste, on s'est dit, bon, on va aller au camp Cernrar, là, au camping en Dovalet, mais c'est à 2 ans de route. Et le GPS, il nous a dans Agdiz, là, il a fait tourner à gauche, je me suis dit, mais on va où, là? Il dit, mais si, il dit que c'est là. Bon, bref, on a suivi ouais, le GPS. On a pris des petites routes et on est passé au milieu de la palmeraie. C'était magique. Ça doit faire au moins 40 minutes qu'on roule à 20 km/h, donc du coup on a pris plein les yeux, mais là on s'est dit non mais... En fait le GPS ça fait en sorte qu'on ne se presse pas pour le camping, et là on est posé dans un petit village, on ne sait même pas lequel. Voilà, ouais. On n'est pas très loin de la mosquée là, sur une espèce de esplanade. Ouais. J'ai été dire bonjour, on ne s'est gêné pas, dit machin mosquée. On a failli se faire inviter au couscous, c'est quoi? Chez nous. c'est gentil. Voilà. Donc voilà, on est posé tranquille au milieu des montagnes. On fera un petit panorama là tout à l'heure. On sera un peu plus calme demain matin, on verra. Donc on vous dit à tout de suite pour vous et à demain matin pour nous. Voilà. Et donc voici notre petit spot au réveil. On s'est garé là hier soir, comme je vous disais, sur la route. On est mieux nulle part. Et le paysage est... Et souffle encore. Là, il y a une mosquée qui est en construction. Bien entendu, l'imam hier soir quand même. Non, pas l'imam, celui qui appelait la prière. Bon, voilà, ouais, on voit le casbah au loin. Le cadre est vraiment chouette. Et on a une autre épique qui est là. Alors, c'est un peu chelou. Ouais. Et je parle pas fort, la fille dort encore. Voilà. Donc voilà un peu le cadre. Là-bas, il y a le petit âne qui est prêt à partir faire ses courses. Allez, voilà, le petit déjeuner, on va le reprendre la route. Je vous refais une petite vue panoramique. Donc de là où on est garé pour la nuit. Je peux souffler, je vais monter vite. Regardez-moi ce point de vue là, comme c'est chouette. La mosquée là, les montagnes. C'est vraiment, vraiment splendide. J'adore, c'est magnifique. C'est trop beau. Allez, ce matin on quitte notre spot dans un village perdu au milieu de nulle part pour reprendre la route. Pour aller dans un autre endroit perdu au milieu de nulle part. Pour aller dans un autre endroit perdu au milieu de nulle part. Alors c'est pas péjoratif quand on dit ça. Ah non, on adore, on adore hein, les endroits perdus au milieu de nulle part. Le incartable. Incartable. Oui, que tu peux pas mettre sur une carte.
un cartable, pas le cartable de l'école. On cherchera dans le petit Larousse si ça y est, un cartable. Je suis pas sûr qu'on sorte par là. Non, là on sort pas, ça tourne trop. Faut mieux repasser par l'autre côté. C'est la question. Voilà, bon ben on continue, vous nous accompagnez sur la route et puis voilà. Tu peux leur tourner l'écran juste qu'ils voient un peu ce qu'on voit. Parce que allez, je vous tourne l'écran. C'est plutôt sympa, hein. Ça ne manque pas de charme. La meute de chien qui... Ouais, on a les petits autos là. Youhou ! N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on va pas vous écraser. Ils ont passé le petit déjeuner à nous faire coucou et là ils viennent nous dire au revoir. Les stylos. Allez, au revoir, les stylos. Et ils l'ont pas fait du petit déj, mais c'est en partant qu'ils nous demandent les stylos quoi. Voilà, on a eu le droit une fois un bon moment, mais ouais. Cette bande de crapules. Ouais. Attention, une partie de la route n'est pas pavée. Bon, on attaque la piste pour arriver au camping qui est aux portes du désert. On approche de Merzouga. En tout cas, le paysage est sympa. Ouais, on est quand même à plus de 2 heures de Merzouga quand même. Oui, on approche. Seulement, mais sûrement. Très proche. Non, ça c'est proche hôpital. Pas hôpital ici. Non.
moi, après nos 3 km de piste, on arrive. Ouais, nous arrivons au camping. Ça fait bizarre de dire qu'il y a un camping là au milieu. Perdu là, au milieu nulle part. Là, pour le coup, là on peut vraiment le dire. Autant le village n'était pas si perdu mais nulle part. Mais on aime, on aime. Regardez la vue, c'est quand même sympa, hein. Pour être les tranquille. Montagnes. J'espère qu'il n'y a pas de mode de chien dans le coin. Je pense pas trop, mais on verra bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah oui, ce matin c'est la guerre des clans, mais pas dans le livre, hein, en vrai. Ça voyait un peu. Ce matin, quand il faisait jour. Hein, quoi. C'est mieux ça, on les aurait pas entendu, mais pas. Je vois un dromadaire là-bas. Ah oui, au loin. Ah ouais. Ah, je vois deux autres dromadaires à côté, un peu plus clair. Ah oui, un blanc et un. Ah ouais, un blanc et sympa là. Le sable qui vient consolider le mur. Ben là oui, c'est le sacré contrefort là. Ouais. Le problème c'est qu'il n'y en a pas de l'autre côté donc. Oui, il y a une petite entrée, j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'entrée. Portail ou vers un fond. Voilà, c'est vrai. Oui, on va rentrer chez l'eau, ça devrait le faire. Oui. Ah, je suis moche. Allez, aujourd'hui, on part. Allez, aujourd'hui, on profite d'un temps mort au camping. Hier pour faire les lessives et aujourd'hui pour coller une deuxième fournée des stickers des copains. Alors, on avait déjà su des familles autour du monde, celui des faufilaires, celui des petits d'œufs. Là, on va rajouter l'ovicar et carapate. Si Franck y arrive. C'est pas gagné. C'est très joli de se monter, je trouve. Alors, camion à peu près droit comme ça. On serre un peu parce que voilà. Hop. Je sais pas si c'est du goudron et des points noirs. J'ai du mal à enlever. Quoi. J'étais au l'alcool ménager. On y a vite tout ce que je veux. Allez, on part de l'autre côté. De l'autre côté, il nous manque Curieuse Mécanique, on a Graine d'Aventurier et Autour d'un Monde. Vous avez pas refilé la dinguerie d'ailleurs? Si, si. Tu le mets pas tout de suite? On va voir. Tu le gardes pour plus tard? On n'y était pas la dinguerie. C'est pas grave. C'est autocollant des copains. Ah, chaque fois qu'on a voulu y aller, on était dans le nord, elle faisait dans le sud et on était dans le sud, elle faisait dans le nord. Ce petit sérieux. Voilà. Et voilà. Un beau camion. On va choper. Allez, on se lance dans une petite randonnée de fin d'après-midi. On va derrière la montagne. Voilà, là-bas. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de trouver les carrières de marbre, carrières de fossiles. Les fossiles prisonniers dans le marbre. Dans le marbre. Voilà, voilà. Et voilà. On essaiera de prendre une photo ou sur une petite vidéo du comptoir d'accueil pour montrer oui, à quoi ça ressemble. Vous montrer. C'est très très joli en tout cas. Bon, ben en route alors. C'est parti. On essaie de se motiver les chéris parce qu'il y a un peu de marche. Ouais, faut pas traîner. On va pas aller de l'autre côté de la montagne. Bah, dans l'idée, si. Non, on va marcher 10 km. Non, on va. On va pas marcher sur la montagne, là, tout là-bas. Non, non là-bas, à gauche. Là-bas. La dune. On va voir, on fera ce qu'on pourra. Regardez la terre craquelé. Comme elle est craquelée là. Oh. C'est ça que je faisais ce matin, j'ai jamais vu autant. T'as vu l'épée ce que ça c'est trop chouette.
Et plus loin, tu vois, ça fait carrément des écailles. J'ai ramené un sous le camion, je posais. C'est énorme. La route de secours. Personne n'a vu. Ouais. J'ai pas vu. C'est impressionnant. On dirait qu'on est. Mais comment ça fait en fait pour craquer tout? Each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space and the time we need to fix our problems. Regardez les cailloux comme ils sont beaux. Là ça fait des sortes d'écailles. Là on dirait un peu de la peau. Ils sont vraiment chouettes. On s'émerveille de pas grand chose hein, quand on voyage. C'est fou. Bon, on va essayer de faire les courageux pour prendre le raccourci et passer à travers la montagne et la dune. Pour l'instant, le sable est pas trop meuble. Pour l'instant, ça va. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. La vie au milieu de nulle part. La vie au milieu de nulle part. Il y a un peu de vent. Et là, on est en train de monter, donc la petite montagne, montagne dune. Regardez comme c'est joli, là, l'ombre que ça fait. Là. Allez, on suit petit tout. On va grimper là, on va essayer de voir ça. Et on se retrouve dans quelques instants. Allez, mes amours. Regardez-moi ce paysage un peu. Ça vaut quand même le coup de monter là. C'est magique. Regardez, voilà. Regardez, un cratère de sable. C'est chouette, non? On est toujours au milieu de nulle part, perdu dans la montagne. On va aller de l'autre côté de celle-là. Ça fait un peu loin quand même. On devait, mais là il a un peu s'éteint du soir. Donc on va un peu faire demi-tour, je pense. Et voir plus tard, Inch'Allah. Bon, du coup, on a écourté la rando. Parce que. On est parti un peu tard déjà. On est parti un petit peu tard et puis voyez, maintenant le soleil est couché. Donc on a fait demi-tour. Mais après la chasse à l'iguane, on a chassé le fossile. Fossile. On va vous montrer ça, les filles ont trouvé 2-3 fossiles là. On fera un petit quand on sera au camion, qu'on sera arrivé deux jours. Hein. Deux jours à la lumière. Quand on sera arrivé avant qu'il fasse nuit, on fera un petit rétrospectif de ce qu'on a trouvé. On va faire ça. Même si on n'a pas été jusqu'à la carrière, il y avait une jolie vue des dunes. Ouais, la balade était sympa quand même. Ça valait le coup. De galérer pour monter quand même. C'est vraiment très 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 joli. Je suis content que tu le prennes comme ça. Il ne faut pas regarder le chemin qu'il reste à parcourir, mais uniquement regarder le chemin déjà parcouru. Voilà, c'était la minute philosophique de la soirée. Merci. Voilà. Bon, moi je vais finir par rien y voir parce que j'ai une lunette de soleil, j'ai pas pris les autres. Et du coup, mon pare-brise il est pas mal. Il s'enlève mon pare-brise. Sinon, je vois rien. Ouh. Donc je vais garder les lunettes de soleil, tant pis. Bon, on vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite. Avec moi et Charles, je te comprends. Mais
Il est vilain, vous avez vu hein, comme il est vilain avec moi. Bon là on a juste un petit exemple, mais voilà, c'est des rochers comme ça qui, là-dedans, qui font des plaques de marbre, et en fait du coup on voit bien là les fossiles, il y en a sur tous les côtés. Et en fait, une fois poli, on vous montrera. On ira prendre une photo du marbre. Mais c'est vraiment très 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 joli. Et donc voilà, la pierre polie avec les fossiles. Une fois que c'est fini, ça ressemble à ça.